Ouais, assalamu alaikum, maman maman yo. Obela jelen ngantma. Probablement tiede mangana, Mohamed Touré depuis Paris, France. Et no bora yambal ma obi fana, on be boka flop flop les réseaux sociaux quand. Ka sa ba ou ke entlobe kuma do la. Et ka danye ka nda do kuma ina. Et ka sa ou ke anga jamana ku ngodo. Donc on be ku ngodo. Et anga continent ku ngodo, on be ku ngodo. Donc voilà, ne bolo. Beka brigide kelen kelen o de beka jamana jo. Et Beka Hakilina Kelenkelen, ou le Faranoronga, Kakira Jamana Jo. Alors, Kumata ni Sokel Kokala Maïgaka, discours et Kita, et Ambafo, Kafa Yanako, Ara discours Yana, et Ko Anyamronuma, et Kasabaou, et Nyamronuma, et Fendoye. Alors, Jama Besonen Douala, Haramade, Djikulu, Djikulu. Ni ñamro ñuma baw ña awka djikulu mo robe la fia ka sa wu ñamro ka kleene ña ni aka effort yo quoi donc déjà a boraka mi fo c'est asim ko itaka ño mais c'est dao ku wiere ka asim te bon on taka era gela bolo surtout ko du wiere donc wo fo li beke asim ko itaye. Et quand ça va, que jamana tiki fin fin qu'on a allé nia ou bien moro moro qu'on a allé nia rapossu une rona là ou chama hakli qu'on a katnia ou ali jamana ou no fait et quand nina ou yere quand jamana ou ko ou minkera ou sabuka moro baya sababuye oh mais adam aden à la fin de l'heure de foko djekulo djekulo allez bien moro dauma mi ni abau la di na ou mo mesa otma minka anga kaula ou be kaula sinon à la tête djekulo si Taushi halagini ama la dilibara dauma. Bona hati la Mali ye la dilibara de soro sisan. E Mali yon ganga min na men. Ala ye la dilibara min di Mali yon manu. Na ye anga anga la men. No ye transition barake la ouye. Ou bela jelen sans exception. Ou be, ils sont tous de homme courage. Courage ba be la dessous ba be. Kono wa be karlen do a ni kombo don fana 100%. Kaswa bouge mwa mwa joro ka joro ni nyorona la kakoro. Ou be a problem so. Oh donc voilà outil qu'a foko mou do minou be faciliter drone kuna non je suis sûr que c'est pas ça nous tu me faciliter drone kuna outuma to mou ta la mou mi se ka dangaru ka hanama de nyala no e to abouye oh mais si ça en effet ka donin bla Afrique et révolution que tu vois là quoi parce que né ni remarqué révolution ne ba chama révolutionnaire ou ka discours chama na me Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keita, Sékou Touré, etc. etc. Mais, Yoroni Dobe, ne be fe, à chaque fois, ni nyabe révolutionnaire do ou la kuma la, me fe ka Yoroni do don ou ka famiali la, mais à s'éteigner, parce que kuma nous fora kaba. Bobi, en la transition be en pleine de expansion, c'est-à-dire ou be RSS la, à mon avis, hein, ne hakina la ou be RSS la jamana be se ka améliorer choko di am se ka RSS to abula choko di a donc wala ou hak ou mako be malien be hakina tal wala ma africain be hakina tal bon ne be hakina ta di ou ma c'est à dire nous ya ta ka baraka la ou ba ye ka foko tien era a min cheni fato e kuma mi fo tien do. Parce que nous avons une révolutionnaire couronne, nous avons la Thomas Isidore Sangara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keita, etc. Nous avons une madame, nous avons une madame. Mais nous avons pourquoi nous avons une femme depuis que nous avons une colonisation en Kanté, Djonia Wati Mare. Parce que Djonia Wati Wazal, nous avons une femme qui a fait une femme qui a fait une femme. Bon, Fendon a fait une femme, nous avons une Fendon a fait une femme. Aya soro olu marama feu mibu bulani e uye nyoron découvrir choka mina ka nyoron kanu ka nyoron organiser entouma oké quoi parce que africain tout anga sigi tunye e fin de quoi clan par clan de quoi donc entouma dentariser ka duba ou sigi ka nyoron informer ka information ta ka communication établi quand navigation ni fin tambe en makoto tout là parce que Afrique tout il a tout c'est lui c'est-à-dire moromi ni fin baby bolo sorono e bomandi katra kofi
Bon, au cas toi où exploration tani, où il bien exploré, où y a là na ou tara yoro ou là ou bolu ka dougula ta dougula, mais à bête une toi où ka herani ni ou ka tire kundo, tu m'y oué. Mais ne ma mi fam, colonisation ni bité. Ça dit toi où y a colonisé, déjà Mali, colonisation, anga Mali, ni Mali historien ou na mais, mena Mali, colonisation, yoro minine digna, Afrique ou na, faut bimbena ou yoro fangana. Mali konotoun, Mali Kelemansa Hakemi Tumbe ni Babemba Siga Son Cheba Samori Touré Damozon Jara non pardon Damozon Klema Ke quoi mais Kele Mali Kele Chefarin Damami Tumbe ni Uyet Wabu Kumbe Mounou de cette Wabula Nebefeka ni Mali Africain Deka Djianga Nefan Bonne Fana la ni Isore Uname Binou de cette Wabula parce que Toa Unana Benkola Ke Uka Toa Ujamana Ula Ko Moshikana Marama fin ferré et africain ou matouni noé arma fée noé marfaï Angleterre de tombe plus précisément Angleterre de tombe Samor tombe qu'on fournit marfala donc Angleterre ni France ni Jamana ton nous baisse grave à Mahom aussi cana marfa ferré africain ou voilà pourquoi toi vous donna plus précisément Mali qu'on a facilement. Parce que n'y a mais qui irait défendre Marfa de Bibolo. Donc, ne bolo depuis au don. Africains ont tout à fait mouko. Dja, ni nous t'en ni tchè à tchèo. Dja, ni nous t'en ni du soutien. Mais ou ba ni moun tchè, oui, hakili di. Ka hakili blad du soumya. Parce que, mou du souba de bafo ko, n'y a be marama fentigi la, me boli katra kam hal na yon franga fenta la, mou du souba de bofo. Bonne bolo au benete Afrique révolutionnaire ou là. Minka benembe Afrique révolutionnaire ou là. Oui, bon, hakli badi. Pourquoi? Kafoko. Ni nous y'a non ni mounye de. Toi, vous y'a un tani mounye. Ko analyse kando. Bon, nankmana. Antika fkuma kafoko, toi, vous y'a un tani du gros fin konye. Kon na flou alaye du gros na flou douma tam Afrique. Ma aussi si kofo Afrique. Kabe fam. Bon, donc, ote. Alors, to fangadi. Ote. Ah, d'accord. To fanate, farinyadu, o fanate. Ah ouais, farinya fanate, d'accord. Amba yini halibi. Donc, mounde do. Alors, ka sigi ka miri, ka adama den, ka barake, nabe fo mago, innovation, ka fin do glan, fin kilembe si ka mago keme joronya. Fin min kilembe si ka adama den keme joronya. C'est-à-dire, ni fin min bibolo, il kele il sera mo keme baraki aha donc pa bu yan dani ninde parce que au retenir marfa folo yan marfa ko kana arma fi kana kele tinye bamuri kele pa muri et mamina ali to bu sara ko sonata afrique ali sa mu duma ko so mais muna pa bu tara afrique usina ka mbé coloniser parce que ni marfa be che kele mono il sera che keme kele ah donc lu ga yeta tinye de ko ja che farnya tiendo ja dzubaya tiendo ja fenchamambe tiendo mais hakila miri kabara kaboni ni betai ni hakili blad dzunya wati do la ibe bara minke ni dzuboya ni tsikoke et donc depuis ce temps ne bolo jamana follow minara independence sur notre ni la Guinée ne brosse ou trop tu me minke c'est ou trop tu me konde kaka la Guinée be faranyoronga. Kafo mo ni be se khali daba hal seneke daba nyuma de la il kan y présenter mbesara min di ma te di ministre ma pour que nga don 2000 ni mil la daba ko la nga tan ou fare to bu fe mba ka fo minu mango jonya ka usa horonya gele ya ko no ka usa ni jonya ni nye kuma ba fo minu ou be minu koko ou te fe kané libérer les ni 2000 ni mulila mma ko wulila seneke daba la nga jamana ko nga na ta ni ni fare ou fe ne hakila se outou le rayeta me boninga ne hakila Thomas Isidore Sangara Burkina kono domina ay discours que onina koko Burkina be ou be koto ouga koto tisser le don le tisserant Burkina c'est à dire que Burkina façon be fini mi por du coup bo le don pour lui c'était une fierté mais ne bolo c'est une incompréhension pourquoi parce que Burkina ka irit Burkina ka propriétaire intellectualité finitisera quoi c'est-à-dire Burkina a inventionté quoi France a inventionté Angleterre a inventionté
na be fe ka foko ni tuma sangara tu be fe ka fo odonko wo fini doni okroye kaira capitalisme la ka foko mo be se ka vi no lute alors ne ba fongo tuma sangara aka dusu dusu tunga bo akola me hakina tuma bo akola pourquoi pourquoi parce que domina le kumana odo Nations Unies na aka kumana amofo Burkina micro la aka abio mina ya taratara amatani Burkina abio markete alors donc on peut pas lutter contre l'innovation, on peut lutter contre l'homme mal intentionné. Et c'est ça, Thomas Sankara, tu m'as différencié mes femmes entre le comment on appelle capitalisme et l'innovation et le développement humain. C'était ça, Nebolo, Thomas Sankara, tu m'as ironi, amani différencié femmes. Parce que en voulant kana fini kana et toi vous fini donc il veut faire qu'avoir kebe développement humain de contrôle là parce que tiens de mieux au kakoi c'est pas parce que qu'avoir que mon temps fait Afrique mit ce gabion de là c'est pas parce que comme mon temps fait Afrique mit ce gab bateau de là c'est pas parce que comme mon temps fait mit ce gab marfa de là mais c'est parce que africain n'a jamais se rendre compte à la potentialité réelle là ou bien à la avec action action mine africaine dans la pour gaga bien bédan ne ma femme Afrique est révolutionnaire si ma commande hali kene ne maille ne connait nga vérification bégé maille quoi Afrique est révolutionnaire do fle ka kumana bi ka ko a mi fo bi ni Afrique ni Islam na ko bi ante glon na jamana la tukuni mais ana occident tatoué ana na sino utala ani sin be ye histoire sou ke lañe presque parce que colonisera mais sinon ou ya femme dominco hein qui ban toi bou fini na o te solution ni qui ban toi mobile là o te solution ni qui ban toi bou domina o te solution ni mi e solution ni mais toi oui ala de wa la réponse non ou si ka miri de oui mais si wa yere bisika sika miri wa oui ah donc pourquoi ante sika miri ka fo ou e fini de là fana me fini de là ou e moto de là ou avion de là ou e bâton de là ou e terrain de là. Et c'est là maintenant que sinon ou la dégue ou la dégue forte moula comme on lui irait mou de la dégue forte midiana noé arma fait le poudre armou irait et mais le poudre canot de taille mi marfa mou mit meke et farafi marfa kono a inventera diamana minga sin dedo mais toi ou yataka a répliqué kake ka sinon ou mara donc sinon ou fana yode sinon ou clalaka recré c'est à dire ou irait régénéré hein ni réalité à partir d'une réalité. C'était quoi la réalité? Parce que les Chinois ont compris que il veut dépendre, il veut mourir au bolofé consommé. Il veut dépendre mourir au bolofé na et qui irait sur votre là. C'est impossible, carrément. Voilà pourquoi avec raison de dire ça. Voilà pourquoi Thomas Isidore Sankara a été lassement abattu par son propre frère. Pourquoi? Parce que Toabou, moyen mimbolo bolo, au moins, ou africain BCD, Fana Karale Thomas Sankara. Parce que ils sont un développement humain. Là, il faut, c'est la réalité, il faut les reconnaître. Entre le développement humain et les multinationales, ou bien les capitalismes, il y a une différence. Parce que le capitalisme, il y a un groupe de gens qui ont été mis Faranyon a qui sera qu'on a kafoku be dia diriger noyo ou le roule le capitalisme ou bien multinational mais le développement humain oye mouye follow it me comment on appelle ni bebo doula atra doula it me yele sore kan wale bebe fali menaka yela kan mais bi il me clé qui ka mobile là il kan la clé flaqué atra doumina Hernani Israël donc nul ne peut rester la réalité. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut mieux que l'Afrique révolutionnaire ou qu'à femme, qu'il y a une différence entre développement humain et les combats qu'ils amènent, qui orientent vers le multinationalisme,
comment on appelle le multinational vers le comment on appelle capitalisme. Les combats capitalisme ne peut pas freiner le développement humain. C'est ce que les révolutionnaires africains doivent comprendre. Ils sont pas, c'est deux choses très diamétralement opposées. Parce que Niya Diaté, c'est un gros capitalisme, c'est-à-dire c'est un multinational qui est en même temps innovateur. Ça n'existait pas. Ils sont tous, c'est-à-dire le innovateur, Moumi Rebe fait un glade, bâton de la barre à Talendo, Otazila, Marfa de la barre à Talendo, Otazila, multinational lui fait. Finiouma de la barre, Bassin de la barre, Tiji de la barre, Vézi de la barre, Lumbe Talendo, Otazila, multinational lui fait. Multinational lui fait, Moumi, comme il y a un photo de la Moumi, War Benek, War Ba Benek, Mba Faranyonga, Dia Monopoly Genai. Au bifo de ma multinational. Donc, moi, je suis bébou à Maracono. Y compris où il est fait. Comment ça va être un beau faux? Au multinational, et comment on appelle capitalisme ou France, abe Burkina, abe Niaro Bela. Il a compris qu'il faut orienter l'Afrique drôle. Mais c'était un phénomène sur lequel Haramadien Do, matériellement, nous fangara beau, war boubolo. Olu ka fuku bi dinya ta otaji la o mo wudi do donc ni olu ke ka adama dinya développement freiné ané boloima foi fam. OK, pourquoi ni discours nyere? Parce que comme soke ni fana discours ke ba yo on a fo kita ko anga to ka ngatisera nga fini wudo ko ale re abiele mbo de la ko abato anga tisera mbe baraso mais soke ni ne nyabe plan do la ne bolo o ka keneni ika jateni. Parce qu'on ne peut pas être fier de notre incapacité, c'est impossible. Ça, ça ne passe pas dans ma tête. Ça ne passe pas. Être fier de mon incapacité, ça, c'est incompréhensible pour moi. Et voilà, il y avait Africains, il y avait Africains révolutionnaires. C'est ce que vous voulez mettre en avant, qu'on doit être fier de notre incapacité. Non, je suis pour Sini et Sokel Kokala Maïga qui joue à Foko. Makobe Afrique et Mali, makobe Mali hakritiki wula ne makobe Mali kongolo baula na fra kongolo ba kala tra nyini kala na kala kunda de mafo ngo kongolo ba te kala na la me mo kongolo ba be belahi dama ba bolo foro kono mi ben kurane che ni moyen dama ha a ben ala la kila tabe tisi malien madin Mali a ba tisi bo yani kalo la ni che ka di malien ma malien te ta fini ni dia jamana si kan tourni. Parce que les armes corriportent. Pourquoi on me corriportent au fini mais t'as de la foi Europe Djamana ou quoi? Parce qu'Adonia est debout là. Alors Adonia mine européen non? On nous remine en quelle même manière africaine là? Pourquoi? Il y en a encore faut qu'on ait développement humain freiné. Pourquoi on te suit qu'à faut anga matière grise malien anga à recruter anga fait appel à la matière grise malienne. Lancer de défi. Mali kono dim mo tu mene be ni ba do ke de se ka marfa de la sini. Il kan ni présenter. Mo tu mene be ni ba do ke de se ka mobili de la sini kan ni présenter. Mo tu mene be ni ba do ke se ka bâton de la sini kan ni présenter. Mo tu mene be ni ba do ke se ka avion la pansini kan ni présenter. Mo tu mene be ni ba do ke se ka fichier blanc dans NASA la sini kan ni présenter. Est-ce qu'il y a ni procès mais Afrique révolutionnaire ou bolo a un demede internet ka mo. Ay ji ka kan deme. Est-ce qu'il y a une seule révolutionnaire africain, ma faute pour grand fanana. Une seule révolutionnaire africain a comme projet de recruter le génie africain pour que l'Afrique puisse produire tout ce qu'il a besoin sans vraiment demander l'aide de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me dire si vraiment il y a des génies en Afrique qui sont capables de fabriquer toutes sortes de matériels qu'on a besoin, oui ou non? Et si oui, pourquoi nos révolutionnaires? Pourquoi les hommes qu'on appelle, les hommes, comment on appelle, révolutionnaires, des patriotes, pourquoi ils ne font pas appel à ces génies pour que l'Afrique puisse prendre son indépendance une fois pour toutes? Parce que moi, je m'en doute. Je m'en doute qu'on peut être indépendant à quelqu'un, qu'on dépend de lui matériellement, qu'on consomme sa production, qu'on consomme son matériel. Je m'en doute carrément. Donc, la seule révolution, la seule indépendance, la seule
comme on appelle, indépendance éternelle que l'Afrique peut faire recours aujourd'hui, que l'Afrique peut vraiment cesser à l'avoir depuis 2021, ça c'est faire l'appel à les génies africains. Non pas les produits qu'on a, l'uranium qu'on a au Niger, non pas les pétroles qu'on a au Mali, non pas l'or qu'on a au Mali, non pas toutes les clics et claques que les médias occidentaux veulent nous faire croire que nous, on a tout. Et c'est faux, réellement faux. Parce qu'on a tout, mais si on n'a pas la matière grise, on a zéro. Est-ce que vous comprenez ça? Une maison brûlée égale zéro maison. Donc, notre, produit sous-sol égale nil pour les Africains. Parce qu'on n'est pas capable de la produire et de la transformer en produit final. Donc, en tant que cette capacité n'est pas développée en Afrique, pour moi, tout le monde peut crier comme il veut, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut prendre les démarches qu'il veut, mais l'indépendance réelle ne sera jamais une réalité. C'est moi qui dis. Parce que pourquoi, je sais pourquoi les Européens, ils sont plus pénétrés en Afrique, plus précisément au Mali, les temps de colonisation. Parce qu'ils avaient compris qu'en tant que les Maliens, ils sont des mêmes physiques que eux, ils ne peuvent pas les combattre. Donc, ils ont dit fait un accord entre les pays occidentaux pour que personne ne vende plus les armes à les Africains. Et grâce à ça, les Africains ont été affaiblis et les Européens, ils sont pénétrés en Afrique. Ils ont colonisé tous les pays qu'ils veulent. Et donc, jusqu'à présent, aucun de nos révolutionnaires n'a pu comprendre ça et fait appel à la intelligence africaine. Parce qu'il y en a. Il y en a milliers. Il y en a 10 000, comment on appelle, Amstheim. 10 millions de Amstheim en Afrique. Mais si ils sont invalorisés, ils sont ignorés, ils sont pas calculés. Mais et pourtant, Dieu seul qui sait, que eux, ils sont capables, comme autant les Chinois, comme autant les Américains, comme autant les Français, de fabriquer toutes sortes de matériels qu'on a besoin. Les matériels militaires, les matériels, social, l'avion, les trains, le vélo, les fusils, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas une seule matériel que les Africains consomment aujourd'hui que l'Afrique n'est pas capable de l'apporter. Seulement parce qu'on ne fait pas appel à la matière grise. On ne croit pas trop à nos propres potentialités. On ne croit pas à nos propres capacités de développer toutes sortes de matériels qu'on a besoin. Et regarde Sine, quand Sine il avait compris et qu'il a croit en lui, que lui il peut fabriquer tout ce qu'il a besoin, c'était la indépendance silencieuse de Chine. Ils ne sont pas parlés, ils ne sont pas fait des discours, ils ne sont pas fait de créer des révolutions sur les révolutions. Oui, il y a des révolutions. Il faut que les révolutions parlent aussi pour que les gens puissent intégrer les nouveaux vies qu'on va adapter. Mais pour moi, tous les procédés que les Africains peuvent mettre en avant de tous les procès les plus prioritaires, c'est-à-dire le procès le plus irisant, c'est de faire appel à les génies africains et à leur demander de nous créer des produits qu'on a besoin et qu'on soit en autosuffisance. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus d'Amérique, il n'y aura plus de Russie. Tout le monde va compliquer. Les Africains ont compris depuis à l'éternité qu'est-ce qui les manque. Parce que tout ce qui nous manque, c'est la seule chose qui nous manque. Parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On ne veut pas faire appel à nous-mêmes pour créer ce qu'on a besoin nous-mêmes. On veut toujours faire confiance à les autres et nous-mêmes. Et Dieu seul qui sait. Dieu seul sait que l'Afrique a des potentialités. Que les Africains, ils ont des génies. Ils sont des savants. Et regarde sur les réseaux sociaux. Je vois des hommes qui fabriquent des avions avec des vélos, hélicoptères avec des vieux vélos, avec des vieilles, tôles. Je vois des génies africains qui fabriquent des usines à tisser, comme les tisserands,
avec les bambous, avec des matériels primitifs. C'est-à-dire, un savant, le savant le plus réputé d'Europe, ne peut pas fabriquer une seule pièce avec le matériel primitif aujourd'hui. Ça, c'était les savants du passé, quand l'Occident a commencé à goûter le goût de l'innovation. Alors, mes sœurs révolutionnaires africains, mes sœurs frères africains, ne sois pas contre le développement humain. Sois pour le développement humain, mais contre les gens qui prennent ce développement pour nous faire mal avec. Ok? Donc, et ce qu'est le Kokala Maïga, nous avons une démarche le plus productive que celle que vous avez proposée. Ça, c'est de demain créer un service spécial pour recruter les cerveaux des génies maliens. Et quoi vous avez besoin? Donnez une date dans 10 ans, dans 5 ans. J'ai besoin de voir une usine Madin Mali. Madin Mali, une usine Madin Mali qui produit de tunis super qualité. J'aurais besoin de ça. Et fais cet appel et tu lances défi et tu me diras dans 5 ans qu'est-ce qu'on n'a pas, on avait loupé avant. Parce qu'il ne manque pas de génies en Afrique. Il ne manque pas. Il y en a plein. Il y en a plein, multitude de, comment on appelle, Einstein en Afrique. Mais qui sont inactifs. Parce qu'on ne fait pas appel à leur génie. On ne leur donne pas de valeur. On ne les calcule pas. On pensait que les pays peuvent se développer avec les matériels des autres. Mais regarde même la France. Quelles conséquences il a récolté quand il a équipé tout son équipement avec Windows. Et parce que les Américains, ils les espionnent depuis leur, comment on appelle, depuis la cesse de FBI. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais être indépendant à quelqu'un sur lequel on dépend matériellement. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas lutter contre le développement humain. Tous les matériels qu'on voit aujourd'hui, on pensait que c'est des occidentaux. Ce n'est pas des occidentaux, c'est des humains qui sont fabriqués. Ceux qui sont fabriqués, ils sont du mal à comprendre pourquoi leur création est aussi mal exploitée. Donc, ils sont victimes comme nous, comme les Africains. Les créateurs, les innovateurs européens, les innovateurs, les savants, ils sont des mêmes problèmes que nous. Parce qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi leur invention est mal utilisée. Allez demander à la créateur de Google. Allez demander, comment on appelle, Zuckerberg. Allez demander tout le monde. Tu verras que les créations, leur génie, hein, a des mal utilisations. Et ça ne leur fait pas des monstres. Donc, on ne peut pas s'opposer à le développement humain. Et c'est ce que je vois un peu dans les discours de Sokel Kokala Maïga. Parce que si on fait appel à les Maliens de s'habiller avec les tunis artisanales, alors, ils se me demandent comment on fait pour créer de l'autosuffisance. Parce que la réalité veut qu'on doit se développer, on doit s'innover, on doit produire 10 000 fois plus rapide que celle qu'on a aujourd'hui. On doit produire 100 000 fois plus efficace et plus la bonne qualité qu'on a aujourd'hui. Et c'est là où on peut être fier de notre production. Mais être fier de quelque chose qui datait de 2000 ans, et laquelle, ça veut dire quoi? D'être fier de passer. Mais pourquoi on ne se développe pas? Parce que j'ai entendu un écrivain qui dit que l'homme qui était le même homme pendant 20 ans, qui n'a pas changé, qu'il a perdu des 20 ans de sa vie. Et c'est ce qui se voit en Afrique. Comment vous voulez nous expliquer que l'Afrique va faire se recréer, c'est-à-dire de passer de 200, de 300, de 1000 ans de passé? Quel pays n'était pas capable de produire les habits tisérants? Quel pays au monde? Il n'y en a aucun. Tout le monde avait la capacité de se fabriquer des habits tisérants. Alors, ce n'est pas une marque, ce n'est pas Madin Mali. C'est pas Madin Mali, c'est pas Madin Mali. Et ce n'était pas Madin Burkina. Et donc, les révolutionnaires africains, il faut comprendre qu'est-ce qui nous manque réellement
Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être libre réellement et être indépendant réellement? Je ne dis pas que ça ne se passe pas par la révolution, manifestation, par les revendications, mais aussi ça se passe par la réelle autosuffisance, c'est-à-dire qu'on produit ce qu'on consomme. Et voilà cette chose qui nous manque. Et vous-même, selon le discours mondial, Afrique a tout sur son sous-sol. Et pourquoi on ne peut pas faire appel à nos génies pour la recréer et pour la produire et transformer notre matière première à la produit fini, à les produits de consommation? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on doit se opposer à la développement humain? Parce que en opposant à se opposant sur le bel tini, sur les belles robes des femmes, sur les belles, comment on appelle, le bassin, on est en train de s'opposer à la développement humain. Et ça n'est rien de réel. Parce que le multinationalisme, le comment on appelle, le capitalisme, ils sont pris aussi les génies qui sont fabriqués ces matériels-là en otage comme nous. Donc, si on veut leur échapper là, hein, si on veut leur échapper, il sait produire les mêmes choses que nous, et on sait produire les mêmes choses que eux, et on aura une égalité et sans discussion. Comme là, sinon aujourd'hui, s'il n'a pas besoin de dire que je veux mon indépendance, je veux sasser l'Amérique, je veux sasser. Non, les Américains, ils voient que s'ils sont en train de leur dépasser technologiquement, et ça crée des frustrations. Donc ça, j'adore ça. Et les Chinois, il y a 100 ans, 200 ans de cela en arrière, les Chinois étaient comme nous, exactement comme nous. Mais ils ont compris, Mao a compris qu'il faut faire appel à les génies chinois. Il faut développer l'intelligence, c'est-à-dire dormant. Parce que je vais vous dire une chose, ça ne se prend pas, être créateur, ça ne se prend pas à l'école. C'est inné. Il y a les gens que Dieu les a fait un don. Ces dons-là, il faut le valoriser, il faut faire appel à ces gens-là. Et vous n'allez pas trouver ça dans les universités, vous n'allez pas trouver ça dans les grandes écoles d'ingénieurs. Non. C'est tout ce que l'ingénieur sait faire, c'est répliquer quelque chose qui existe déjà. Mais tout ce que l'ingénieur ne peut pas faire, c'est d'inventer à partir de zéro. Donc, et ça, il y en a au Mali. À l'infini, c'est moi qui vous dis, le gouvernement de Azim et Sokel, essayez de faire appel à cette comment on appelle, opportunité impissable, inépissable, c'est-à-dire infinie. C'est une opportunité infinie. Parce que quand le cerveau humain, la matière grise humaine est développée, c'est un produit infiniment rentable. La rentabilité du cerveau humain est 10 000 fois plus que si on a converti toutes les terres maliennes en or. C'est moi qui vous dis. Parce que si on a converti toutes les terres maliennes en or, alors le problème qui va se poser, c'est que ce qu'il a des matières grises plus fortes que vous, il va venir le prendre. Si vous n'êtes pas content, il vous tue. Donc, vous êtes double victime. Vous êtes victime de votre succès. Donc, développons la matière grise. Et voyons si l'Europe va laisser Afrique tranquille ou pas. Donc, malheureusement, nous avons fait un bon rapport à Mimbla, les réseaux sociaux Gambi, parce que nous avons fait un bon rapport à Mimbla, et nous avons fait un bon rapport à Mimbla, et nous avons fait un bon rapport à Mimbla, et fait un mini en ma pauvre la rêve si vous blanirez quoi. Non maquet. Moi aussi qui irait à mon boulot, mon mi ni à et qu'à aller qu'à boulot, aller qu'à fin de l'année de bébé du être que qu'on a aller qu'à fin de l'année de bébé et qu'à vide là. Il te sait parce qu'à donné qu'à bonitaille. Si ni ni quoi qu'on t'a ou à boutier ou à non nous qu'à Hakili développé ou jamana kono ou bête quoi mais Hakili tigou boula comme Afrique Hakili tigou bien tu kamena oui mais oui valeur de dire au Hakili ma kafu ah ja minan dobe ni mo do sena ko dla ja mo kene mesra mo kene baraki de wolu yo famu minke oui baraka di au barani ma kafu ah ni barani kany parce que mo kene ngasera mo kene baraki eh wo e mo hana ma de wola fialen et donc wo mo badene ba Afrique mais c'est qui mire ka baradoke
au bara ni ni mo kele au bara soro akele misa mo kele bara voilà pourquoi marfatigi kele abisika besetigi matesitigi folo kele tu megeni pamuru mi abisika pamuru tigi keme fara donc pa wuyeni nyodron u kobo anga valeur dini mo numa mais anga afrique kon ibu don yerewa u mana bi norso norso ke dobe isini blani bokala wi dobe avion blani negoso pe santi wi donc ben norso u ba filmer ka bla et réseaux sociaux comme mine de valeur ban benela pour que afrique u ma fam ko anga retard be djube ni yoro ni la pourquoi parce que ante anireka e kodona wa be fumi no ko zeli kodona ça dire ala e doni di mo mima naturellement calantele parce que a doni ni calandoni te clay han europe kono a doni ni calandoni te clay yesa va mbao sa va mbaya ba aya sa va nya kala libru mi ngola ni nga ka ko finyana ate ça n'existe pas mais a mo be mal sa va mbade be mali kono hal ku tili tava et pourtant ti ko lu wele ka ku ka sa va nya ka mali ka profiter ko fana la di ça na nga ma ke mankantini Sanou be ya fende ou Marjane be ya fende wori be oko sanou ni ou betra en sigle en fara pour na pas en défendant et mais nanyan si on a fait appel à nos génies nanyan la ko don la ou ala anga don la ba ou minda ma nanyo lou wele sa ou ka fe on gla ma ko me fe on mena jom sera barama ni barama mi mana ba la iboye jom sera barasi nou abi mais si ni re si ni flene si ni ya damina koma ou nona voilà donc on ne m'avait qu'à boire flou flou même les réseaux sociaux quand bien parce que tout le monde l'année dernière révolution nous a dit ce mais à quand ils jouent beaucoup non mais il faut que ou quand femme ou fana pour quand toi ou tu sais qu'à farana et pourquoi un banganti tu nous farana et pourquoi ou blaga n'ya d'ailleurs faut une bera femme à quand on a peut-être deux balles mais au bien fait fatoué mais deux fois la balle mais au bâton considération ah c'est vrai ni est tiède parce que ni beniga analyse que tu vois le beniga famille que tu vois dedans. Donc voilà, un bel maléon. On va faire un peu de la magie de la haka. Salut, voilà, Mohamed.